Gustave Guillaumet s'installe au musée des Beaux-Arts de Limoges. Le peintre a notamment travaillé en Algérie dans les années 60, 1860. L'exposition raconte l'histoire d'un peuple et d'un pays. Le travail de Marie Gautron, historienne de l'art et commissaire scientifique, est d'assurer une garantie de qualité à l'exposition. Ça veut dire aussi bien tout ce qui se rapporte à la vie du peintre, à ses ateliers, ses conditions de travail, ses relations, que les objets sur lesquels il travaille, c'est-à-dire son environnement, voilà, et le contexte historique, géographique, sociétal de l'œuvre exposée. Guillaumet, dans sa jeunesse, a tenté d'être un peintre d'histoire, c'est-à-dire s'est véritablement fait le témoin de ce à quoi il assistait dans cette Algérie populaire au sein de laquelle il s'est immergé. Et il a témoigné, en empruntant à la photographie qui commençait d'être diffusée par l'estampe dans la presse illustrée, certains codes visuels, en particulier dans le tableau La Famine, dans lequel il donne à voir crûment, de manière qui interpelle véritablement le public de l'époque, des faits d'une façon qui est assez proche de celle qu'on peut voir en lisant l'illustration ou le Monde illustré. C'est un parcours qui est, je crois, avant tout chronologique, c'est-à-dire qui restitue l'itinéraire d'un peintre depuis sa jeunesse jusqu'à sa maturité. Ce dialogue entre cette œuvre d'histoire magistrale qu'est La Famine et puis toute la peinture de l'époque qui restitue l'environnement militaire et masculin au sein duquel il est plongé. Ce monde rural qui le fascine par sa beauté, par sa majesté, par sa sérénité même. Plus on avance dans l'exposition, plus on accompagne ce regard quasiment ethnographique du peintre. Guillaumet séjourne très longuement et presque exclusivement dans le sud et tente de restituer les atmosphères, la luminosité et les modes de vie, la spécificité des cultures sahariennes. Cette exposition connaîtra trois étapes. La première était à La Rochelle, aujourd'hui à Limoges, et au printemps prochain à Roubaix. Pour celle-ci, c'est un petit peu particulier parce que ça a été anticipé bien en amont. On était aux alentours des années 2009-2010 pour ce qui est de La Rochelle, puisque c'était le premier musée qui a été en fait contacté par les descendants de Guillaumet pour mettre en place une exposition. Et ensuite, il y a eu le projet d'itinérance et le musée des Beaux-Arts de Limoges a lui été contacté, je crois, 2014-2015, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est un travail de longue haleine, puisqu'il a fallu mettre en place cette itinérance, trouver des musées partenaires, il y a pu avoir des désistements, donc ça a reporté aussi le calendrier. C'est une exposition qui regroupe environ un peu plus de 120 œuvres, je crois, on est à peu près, à égalité entre les peintures et les arts graphiques. Ça se monte. Alors, on a pu bénéficier de 3 semaines de montage. Les œuvres sont arrivées juste après La Rochelle et l'avantage, c'est qu'elles arrivaient toutes en même temps. Alors après, évidemment, il y a la mise en place avec les convoyeurs. Donc, on doit ouvrir les caisses en présence des convoyeurs et accrocher, sécuriser en leur présence. Donc, ça a fait des contraintes de temps malgré tout. Mais ça permet de faire tous les constats d'état des œuvres quand elles arrivent, vérifier qu'elles sont en bon état. Pour ensuite pouvoir procéder à l'accrochage et faire les changements, les modifications et peaufiner comme on a souhaité le faire ici. Pour l'exposition Guillaumet, il y a tout un dispositif de médiation qui a été mis en place. Au cœur même de l'exposition, il y a cette tente d'essence qui permet d'accueillir un certain nombre d'éléments. Alors ça peut être à sentir, il y a des huiles essentielles qui peuvent nous rappeler l'Algérie. Il y a aussi des graines, différentes graines que l'on peut toucher pour un petit peu activer ces sensations proches.
Et puis, un certain nombre de jeux pour les enfants, des puzzles, des petites choses à retrouver dans l'exposition, etc. Donc ça, c'est vraiment le dispositif qui est au centre, qui est en libre accès pour les personnes. Et puis, il y a des animations aussi qui sont mises en œuvre. Alors, il va y avoir les vernissages pour les enfants, des visites pour adultes, des visites par les médiateurs, une visite organisée par Marie Gautron également. Avoir une nocturne de l'exposition le 16 novembre avec des lectures des textes commentés. Et puis, en janvier, on va organiser un brunch ethnomusica, donc une conférence musicale et gustative par le joueur de Quitra, Reda Ben Abdallah. Puis, il y a des supports de médiation, évidemment, pour tout public. On a des textes en grand caractère, des textes en braille, des jeux livrés pour les enfants, des textes traduits en anglais, voilà.